Quand d'autres qui avaient sorcier, ils ne vont pas la saluer. Dans d'autres églises, elle était sorcier. Le pasteur a commencé à dire, regardez. Préparez feu sur toi. Une fournaise de feu. Donc moi, t'es sorcier, puis il t'attrape. J'ai une autre manière de voir. Parce qu'il me dit, elle-même, elle est victime. Si je ne l'entoure pas de l'amour ou de l'affection, elle va penser qu'on la rejette. Or, il faut la récupérer. Sinon, elle continuera à faire l'œuvre de Satan. Il ne faudrait pas qu'elle fasse l'œuvre de Satan. Si elle est, on va l'appeler ex-sorcière. Elle serait parmi les enfants de Dieu. Maintenant, pour œuvrer pour le royaume de Dieu. Or, si vous les tuez, vous n'avez rien à voir comme information de le royaume de Satan. C'est ça votre problème. Vous les tuez, mais vous n'avez aucune information. Quelqu'un qui a travaillé dans un camp de diable, quand il vient là, vous donne tous les secrets du camp de diable. Ou bien, vous gagnez encore en information. Tu es sorcier. Tu fais quoi, sorcier? Ah, s'il y a d'autres, ils vont se braquer comme tu dis quoi? Les gens. Oh, j'ai une autre manière de voir. C'est vous, c'est ça, non? Tu as vaincu, hein? Faut que tu vois aller où t'écouter. C'est. Non, il est parti. Tu es sorcier. Ma télévision. Tu fais quoi? Ma télévision. Tes habits envoyés là, ça peut être celui meilleur. Ah, t'as compris, je te dis. C'est ce que j'ai vu là, c'est pas beaucoup. Tout ça, t'es gay, t'es tout ça. T'as l'air tous les garçons. Non, mais c'est pas tout. T'as l'air que chez eux, non. Tu as fait quoi? Tu dis ta tue, elle t'explique, hein? Ça a ralenti, ça vient maintenant ou bien? Ta voix là, ça vient à ralentir maintenant. Hein? Ta voix est bloquée. Tu dis ta tue, ok, on t'écoute. Et puis, il y a un café fallant de ma tête. Famille? Ça a failli. Hein? Il y a 4 foyers de ma tante. Tu dis quoi? Il y a 4 foyers de ma tante. Où est sa tante? Elle n'est pas là, c'est sa maman qui est là. Tu as gardé quoi dans le foyer de sa tante? Je voulais tuer son enfant. Tu voulais tuer son enfant? Oui, je voulais l'attacher. Tu l'as attaché? Où? On suit, s'il vous plaît. C'est ça que je lui dis là, je ne comprends pas bien. Donc, il faut parler pour que j'entende bien. Tu as fait quoi? Tu as attaché le fil de ta tante. Oui. Où? Hein? Chez vous là-bas. Oui, papa. Tu l'as pris comment pour aller l'attacher? Il dormait. Et là, il l'a attaché. Puis il a pris la chance aussi. Chant de qui? Chant de les enfants. Il y avait combien d'enfants là-bas? 3. 3 enfants. Oui. Donc, quand tu es rentré dans la maison, on t'a envoyé dans la famille pourquoi? On m'a envoyé dans la famille et papa. Vous comprenez? Donc, elle est venue comme servante dans la maison, c'est ça? Oui, papa. Et quand tu es venue comme servante, tu t'es d'abord cherché en venant dans la famille, c'est ça? Oui, que je venais à mon copain, m'a donné la sorcellerie. Là-bas, ah, d'accord. Quand ton père peut donner la sorcellerie, au lieu d'aller, tu es dans quel village? Oui. Tu viens d'où? Au village. Mais son nom, il n'y a pas de nom. Il s'appelle Zédé. C'est Zédé. Le village là? Non. Non, ton village? C'est Zédé. Oui, tu es. Quelle est-ce? C'est Niavoua. C'est Niavoua, ouais, okay. Donc, tu, au lieu d'aller faire sorcellerie là-bas la nuit, toi tu viens faire sorcellerie où tu es. Pourquoi tu prends des excuses? La famille, ça n'a rien à voir avec ta famille. Maintenant, toi on t'envoie sorcellerie. Au lieu d'aller dans les camps là-bas pour manger, tuer, toi où on t'a demandé de travailler là? Pourquoi tu gâtes là-bas? Il te demande. C'est là qu'il venait. Il y avait un groupe qui venait dans la maison. Et avant qu'il était venu, mon grand-père, la nuit, il vient me prendre. On s'en va au village. Ils sont dans les 3 mois comme ça. Et puis, le groupe là, je suis rentré dans leur groupe aussi.
Non, tu n'as pas répondu à ma question. Vous mangez dans deux groupes, vous mangez dans trois groupes, ce n'est pas mon problème. J'ai dit, quand tu es quitté au village, là-bas, pourquoi en venant, le village, c'est l'autre village qui t'intéresse, pas le groupe. Elle dit, pourquoi c'est la famille là, qui t'intéresse? Cousin? Mon grand-père, c'est lui qui dit qu'il est devenu. Mais quand tu es d'avoir la famille? Quand je suis venu là, c'est lui qui dit que je fais ça. Lui qui dit de faire ça? Oui, papa. Quoi? Que des trois chasses de ses enfants. C'est lui qui m'a venu, il a dit qu'il y a trois chasses de ses enfants. Et lui, qu'est-ce qu'il a voir la famille là? Est-ce qu'il connaît la famille? Oui, il connaît la famille, papa. Comment il a connu? La maman du matin, si elle était partie au village là-bas, c'est là qu'il la connaît. Non, mais qu'est-ce qu'il a fait? Quel est le lien? Qu'est-ce qu'il y a sur ses parents? Est-ce que ses parents? Je sais pas, les deux se connaissent. Mais c'est pas une raison de venir manger. Elle est comment? Elle a fait comment? C'est là qu'il a fait chant de ses enfants, c'est ça? Et il a attaché son fils. C'est là. Donc il a accouché là. Puis il voulait la tuer aussi. Dans un accouchement, il voulait la tuer. Il a mis Fumon dans son compte. Fumon dans son compte. C'est là. Déjà Fumon, le casseau de lui, puis c'est là, casseau de lui. Quoi? Il dit Fumon, il a mis ça dans son compte. C'est ça, c'est pas casseau de lui, puis c'est ce que c'est. Ça va quoi? Fionc. Tu as mis ça où? Il a mis ça dans son compte. C'est clôture où? C'est cassé au dehors. Ouvert où de dehors? C'est pas cassé dans son compte. C'est cassé où de dehors? Tu as mis Fionc dans son compte? Oui, papa. Comment tu as fait pour mettre Fionc? La nuit où elle dormait là, c'est là. Mon grand-père m'a appris sur mon souvenir. C'est ça, je suis parti. Il a donné sur son lit, puis il a appelé. Puis il a mis ma mère sur son pote, c'est ça, il a mis Fumon là-dedans. Ça fait quoi après? Et puis, je suis le mari de son. Je suis son mari. Allez, tu as gâté ta vie, tes enfants, et puis tu sois son mari. Oui. Comment tu fais? Mon grand-père vient, me donne tout de suite. Ça fait quoi? Me donne tout. Ton grand-père vient te donner tout. Oui. Tu fais quoi? Quand il me donne tout là, je viens, quand il souffre, il devient petit et puis il rentre dans la maison. Et puis quand il rentre dans la maison, il vient à côté de moi et puis il est. Mais lui, il va venir à côté de toi. Vas-y, il sait qui t'es là. Si, papa. Tu l'appelles, monsieur, il vient. Oui, papa. C'est pas c'est lui-même qui vient. C'est ça. Quand... Tu fais quoi? Le monsieur vient. Il vient, mon papa. Oui, ok. Le mari de la dame, comment il fait et puis tu couches avec lui? Je l'appelle. Quand je l'appelle, quatre fois. Et puis, quatre fois? Oui, papa. Tu dis quoi? En l'appelant, dis-moi. Je dis. Quand il dit papa, papa. Je te dis qu'il faut venir. Pour faire quoi? Pour venir sortir toi. C'est ça, je viens. Quand il appelle quatre fois. Oh, tu te mets une nuit à l'autre. Oui, papa. Aïe, moi je parle. Hein. Et puis il vient. Quand tu marches. Oui, papa. Et puis il vient, monsieur. Non, faut expliquer. Quand il vient, il fait comment? Il est drogué, mais. Il dort. Et puis toi, tu fais quoi? Et puis il est seul. Non, mais quand il vient, il dort. Oui, papa. Et tu fais quoi? Non. Oui, il est couché. Tu fais quoi? Tu ne le réveilles pas pour dire chérie, je suis là. Il dort. Donc lui, il dort. Maintenant, toi, tu fais quoi? C'est la chose. Quand il n'est pas là, ça fait qu'il dort beaucoup. Et puis toi, tu fais quoi? Et puis, comment tu fais? Quand il dort? Tu fais comment? Lui, il donne. Mais là, tu fais comment? Et il donne, il peut sortir quelqu'un.
Quelqu'un qui dort là, il peut sortir quelqu'un, une femme. Maintenant toi tu fais comment? Il dort, il me gonfle. Tu fais comment? Moi, tu peux suivre. Ah, tu manques. C'est ta question, tu sais, dans ton cœur. Qu'est-ce qu'il pose? Ça vous fatigue les questions. Moi, ce que tu poses dans ton cœur là. Donc toi, tu parles. Tu dis, bon, moi, il faut dormir. Moi, je joue le rôle ici. Toi, tu montes sur lui, Rof. Toi, tu montes sur lui. Hmm? Dangereux, hein? Quand tu finis. Toi, lui, il ne fait pas des fois, il est couché. Non. Il ne te touche même pas. Il te touche pas. Non. Il fait. Qui le déshabille? C'est moi. Il ne fait rien, lui, il ne fait rien. Il le déshabille. Ça, il est couché. C'est terrible, hein? Mais c'est terrible, hein? Soit tu rêves, c'est les présents qui. C'est ça. Tu vois la femme, tu es donne, tu es content. Elle t'a déjà déshabillé, elle joue avec toi. Non, on appelle femme esprit, pas de nuit. Non, on appelle femme esprit. La nuit, là, c'est. Elle est dans ta vie. Elle n'a pas forcément besoin que tu sois la nuit pour venir coucher avec toi. Une fois que tu commences à voir ça, c'est que l'esprit est dans ta vie. Donc, on appelle femme esprit. La même, la vraie appellation. C'est femme esprit. Et sa femme est où? Elle ne doit pas couper de lui. Si, elle doit. Quand il est souffle. Non, esprit. Voilà. Ta femme est couchée là. Le monsieur est couché là. Toi, tu fais comment la femme te voit pas? Quand il vient, les deux là, il est soufflé, puis les deux dorment. Tu souffles le muscle là, les deux. Et les deux, et puis ils dorment. Et tu dis quoi? Je dis, il vous donne le sommeil. Vous donne le sommeil. Maintenant, toi, celui qui t'intéresse, c'est le monsieur. Ok, non, le monsieur, il dort. Et tu fais quoi? Tu fais quoi d'abord? Ah, mais tu ne le déshabilles pas. Hein, qu'est-ce qu'il veut? Quand il dort, tu fais quoi? Tu le déshabilles. Il ne sait pas ça? Non, il ne sait pas ça, il dort. Quand tu le déshabilles, ça dit là, il fait rêve. Dans le rêve, elle est en train de jouer à lui. Et quand il finit, là, il s'est pris dans son caleçon. C'est pas ça? Oui. C'est comme ça, vous, les femmes, vous êtes mouillées, votre dessous est mouillé, le monsieur l'éjacule, il pense qu'il est. Non, il a joué dans le sein d'un sorcier. C'est la vérité? Et quand tu te lèves, quand tu es fâché, quand c'est comme ça, tu n'as plus d'humeur. Il faut remarquer, le jour où tu vois un esprit, moi je ne vis plus ça. C'est avant, je voyais ça quand je n'étais pas chrétien. Et depuis, je connais Jésus jamais. Or, avant de dormir, il faut faire le psaume 4, le verset 9. Je me couche, je m'endors en paix. C'est tellement plein dans ma tête que je prie avant de dormir. C'est fini. Aucun sorcier ne peut avoir cet honneur. Et c'est votre problème, où dormir sans prière? Donc la petite vient jouer toi. Et Ozia qui n'a rien fait aux oies, tu fais pas là aux oies. Les gens que tu connais. Il prend visage, quand tu dors, tu vois visage quelqu'un que tu connais. Mais lequel tu connais là, il est ton copain. Maintenant, quand tu matin bonheur, tu vois que tu as fait l'amour. Ok, pourtant tu n'as pas fait toi là. Souvent, c'est la. Ils sont homosexuels, c'est les femmes, les lesbiennes. Un matin, tu es mouillé. Et puis les humains changent. Ouais, c'est comme ça. Quand tu veux. Mais là, tu vois comment? Tu es bien marié. Toi, tu n'es pas jalouse. Vas-y, tu peux partager ton nom. Oui. Non, c'est ça. À quel âge? Tu entends maman, un vieillard, s'il peut venir te garder, toujours. Et tu as gâté quoi? J'ai gâté
Le ministère, on doit manger ensemble. Hein. Amen. On va manger dans le. Comment on appelle le quoi? À Sinaï. On vous invite tous les gens du ministère. Tout à l'heure vers midi. Aujourd'hui, il n'y a pas de jeûne. Je coupe le jeûne d'aujourd'hui. Ouais, c'est important qu'on échange. Je vais vous parler des bonnes choses concernant le ministère. Donc, à partir de 12h, 13h, la voiture va venir vous chercher, vont vous déposer à Sinaï. C'est un coin là-bas, Sinaï. Toi qui n'as jamais mangé poulet, tu as mangé. Tu as mangé poulet, sans graine. Tout sans graine. Tout sans graine. Vous voyez le prophète Crasso là. C'est ceux-là qui font le prophète Crasso. Vous avez pensé à eux aussi. C'est important, hein? Ne pensez pas seulement à moi. Pensez à mon entourage et à mon staff. Et ça, c'est intéressant. Quand je sens que les gens pensent à vous, ça m'encourage. Parce que le prophète Jésus-Christ n'a pas été le seul à faire le ministère. Il a appelé 12 disciples qui l'ont aidé. Donc, tout à l'heure, on vous offre un repas. Je vous dirai ça quand on sera là-bas. Je vais dire qui fait ça pour vous. Amen. Pour qu'on parle ensemble. Et s'il vous plaît, c'est pour la braise. Mangez pas beaucoup. Hein? On mange petit. Ça va? J'aime bien mon équipe. Ouais, parce que c'est sacrifice pour moi. Où est les femmes là? Il y a d'autres qui ont laissé leur foyer pour être ici. Il y a d'autres qui ont laissé leur commerce pour être ici. Et c'est des gens qu'on doit vraiment prendre au sérieux. Elles ont laissé leur commerce. Elles ont reçu leur maison. Elles ont reçu leur enfant. Et moi, je suis en train de travailler dans ce sens pour que d'ici après juillet, c'est-à-dire en jusqu'à juillet, qu'il y ait une stabilité au niveau des femmes. Au nom de Kazo, je ne vais pas déballer le projet ici. Amen. Il ne parle pas. Amen. Quand on sera assis là-bas, on va parler, on va expliquer ce qu'on a l'envisage de faire pour vous. Sérieusement. Parce que Jésus-Christ, c'est pas qu'un an, il parle en langue, il est dans spirituel, il voit clair. Tu dois manger. Amen. Donc tout à l'heure, amen. Non, madame, tu as gâté quoi encore? Il a gâté. Mon tonton, le mari du matin, il va donner l'argent à ma tante. Monsieur. Il va donner l'argent à ma tante. Faut voir le monsieur là. Si tu veux organiser un programme, il faut le voir. T'as compris? Faut le voir comme ça là, ça va aller. Sinon si tu me poursuis là, ça va jamais se faire. D'accord, on va régler ça tout à l'heure. Oui, alors? Et puis, il y a un café, il va m'apprécier à son mari, il va lui donner l'argent. Non mais t'es jalouse, mais... Quelqu'un il donne la nuit, tu viens la nuit comme chat. Chat, tu pousses. Tu la frappes, elle rompt. Tu déshabilles son mari. C'est terrible. Là, ça veut dire que tu n'es plus en sécurité. Devant ta propre femme, elle dort. Elle ne s'est pas priée. C'est ça le problème. Seigneur Jésus, tu es mère. Seigneur Jésus, tu es. Tu te rappelles de Placali, t'as mené la nuit. Oui, explique Placali. La nuit, quand tu m'as mené Polo et Placali la nuit, il fallait dormir. T'as dormi. Sans graine dans ton ventre, ça tourne. Ça donne sommeil. Vous savez que bien attaquez-le. C'est ça, il y a les coins qui envoient le sommeil. Ça soit sur le lit. Tu as dormi. Tu t'assois, Seigneur, tu es. Tu es. Mais. La petite, elle vient, tu vois, et puis j'ai ton mari. Quand vous rentrez dans vos chambres, amen, amen. Commencez à parler. Regardez, quand vous rentrez dans vos chambres, regardez la position. Mettez comme ça, regardez la position de la porte. Les toits, les angles, commencez déjà à brouiller, parler. Vous dites, vous brouillez tous les regards, vous brouillez les trucs. Vous commencez le saut. 4 verset 9. Je me couche, je m'endors en paix. Quand toi, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma maison. 7 fois, c'est fini. Amen. Aujourd'hui, notre Père qui est aux cieux, va te manger.
Vierge Marie, tu es née parmi toutes les filles, vont te manger. Tu connais ça. Au fait, je ne suis pas dans quelqu'un de religion. Mais ils sont habitués à ça. Ils sont habitués à ça. C'est le Julien. Maintenant, c'est les actions prophétiques. Tu brouilles, tu parles, tu brouilles. Or, il faut brouiller, c'est la science. Tu dois détruire et parler. Or, eux, ils te guettent chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Moi, quand je vais rentrer dans ma maison, quand je vais rentrer de ma porte, je parle.